Disclaimer, le plugin utilisé dans cette vidéo est disponible sur le Pogit et directement sur Internos. Et yo tout le monde, c'est Waga. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, présentation cette fois-ci de plugin, accompagné de... T'es en train de casser des blocs là. Monsieur Sniper, si tu veux être appelé comme ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du plugin Skywars, voilà. Donc, on est d'accord, on a déjà fait des tests. Bon, ça part pour un slash kick. Non. Voilà, donc tu te tais alors. Bon. Donc, d'abord, on commence par créer une map. Donc, nous allons faire slash mw, create. Et là, on va faire, par exemple... On va faire quoi? Assiette. Voilà. Donc ça sera une... Ah, désolé. Slash mw create assiette 0 void. Donc c'est pour le Skywars, vous mettez void. Voilà, donc déjà nous avons une map créée. Donc on se retrouve quand il y a déjà un petit Skywars de fait dessus. Voilà, donc là le petit Skywars est créé. Donc on va faire la commande slash sw create et on va faire donc assiette. Voilà, donc nous avons créé le monde assiette, donc évidemment on le changera plus tard, c'est pour vous montrer en vidéo. Donc maintenant on va faire slash sw, donc Skywars, set le nom de votre Skywars, je t'ai vu tomber. W7 assiette, donc voilà, là on est en mode setup. Je suis en vanish aussi, donc il peut pas me voir. Donc maintenant on va faire, on va juste écrire slots, et ensuite vous mettez le nombre de joueurs qu'il va y avoir sur votre map. Donc c'est le minimum et à la fois le maximum. Donc là, la map, on est deux, donc il faudra deux personnes pour commencer. Ensuite. Slash MWTP monde, voilà. Donc je suis téléporté au je suis légèrement buggé, voilà. Donc maintenant nous allons faire la commande join signe, voilà. Donc maintenant on casse un panneau. Donc ce panneau, il va après nous mener sur ce Skywars. Alors, on va faire... je vais juste m'assurer. Donc d'abord, je tape sur le panneau, je fais level et le nom, donc assiette. Slash MW téléporte assiette. Voilà, donc, je vais faire... définition du point d'apparition, voilà. Donc, en fait, il y a un système qui va en gros mettre des items aléatoires dans les coffres. Alors, ça peut dépendre, je sais pas comment ça varie, mais bon. Donc, nous allons faire déjà, donc, on va ici, on écrit spawn 1, et ensuite, on revient et on fait spawn 2, donc c'est là où les gens vont apparaître. Spawn 2, faut surtout pas mettre de commande slash. Ensuite, on fait down slash mwtp monde. Voilà, je suis téléporté. Voilà, c'est un peu bugué. T'arrêtes de jouer là. Donc maintenant, nous allons cliquer sur le panneau, on fait slash sw7 assiette et ensuite on fait enable en ayant bien cliqué sur le panneau et ensuite on fait down. Donc maintenant normalement le Skywars est créé, on va se clair, il n'y a pas besoin d'être en survie, on clique directement sur le panneau, c'est un peu buggé.
Voilà, donc... attendez, voilà, c'est bugué. Slash vanish. Je m'enlève du vanish. Slash vanish, voilà. Je suis plus vanish. Donc, non, vous voyez, on peut pas ouvrir les coffres. Alors, je mets heure, jour, voilà. Donc, lui, il est à l'autre bout. Et donc, chut. Donc, là, la partie va commencer. Ce qui est bien, c'est que ça ne crache pas comme le plugin... comme le plugin Bedwars. Parce qu'on a déjà testé, ça a bugué. Donc, oh, voilà, ben... On a du stuff assez... j'allais dire assez bof. Mais en fait, non, on est... On a du stuff abusé. Moi, je fais du stuff. Mais clique dans les coffres. Voilà, donc, nous allons faire une petite game de Bedwars, de Skywars. Voilà, wow. Un petit Godbridge des familles. Donc ici, on a toujours du stuff, voilà. Tac, tac. Voilà, donc, attendez. D'où il y a du sable? Moi, j'ai pas de sable. Ah, mais en même temps, t'as même pas de... T'as rien, en fait. Bon. Non! Ah là là. Bon, voilà, donc, j'ai perdu. Je suis re-téléportée au lobby. Voilà, c'est un peu buggé. Et donc, nous pouvons voir, donc, il y a restarting, map assiette. Voilà, donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, à liker la vidéo, à commenter aussi. Donc, on se retrouve à toutes pour de prochaines vidéos. C'était Wagera. Ciao!